La plupart du temps, le chef dirige son propre établissement, mais il se peut que parfois ce ne soit pas le cas, notamment dans l'hôtellerie. Le grand hôtel La Cloche, par exemple, est dirigé par Antoine Munoz, qui a lui-même embauché son propre chef. Il y a plusieurs façons de recruter un chef. C'est assez difficile d'ailleurs de recruter un chef. Je m'en suis trouvé confronté à plusieurs reprises dans ma carrière. Donc souvent, on passe par petites annonces et là, on reçoit des CV comme dans tout. Après, les critères de recrutement, c'est surtout son expérience, quel type de restauration il fait, est-ce que ça colle effectivement avec la restauration qu'on a ou pas. Puis surtout, on lui fait faire un test en cuisine de les choses qu'il sait faire, plus souvent parfois un plat imposé, de façon à voir un petit peu comment il réagit. Mais après ça, c'est un petit peu notre façon de faire lorsqu'on a recruté certains chefs. Si le chef arrive dans un établissement qui a déjà sa culture gastronomique, il apporte toutefois sa propre touche. Effectivement, le chef a effectivement quelque chose d'imposé par rapport au bâtiment, on choisit par rapport à ça, c'est clair que ça joue. Et par contre, il apporte aussi, surtout, il apporte sa patte, quoi. Un chef, c'est ça, c'est un artiste, c'est quelqu'un de créatif. Donc il doit apporter effectivement sa touche et ses plats références. Aujourd'hui chef du restaurant Les Jardins by La Cloche, Aurélien Mauny n'est pas rentré en cuisine en tant que chef. Aurélien Mauny, c'est quelque chose à part. Aurélien Mauny, c'est vraiment dans l'expérience. Ça a été une expérience, Aurélien Mauny. Et Aurélien Mauny est arrivé après une succession de chefs qui sont partis pour diverses raisons, où on s'est séparés pour diverses raisons. Et pendant une période, on a eu une succession de chefs pendant un an, parce que le chef n'a pas tenu et qu'il est parti, parce qu'un autre, ça n'a pas collé, parce que. Voilà. Et puis on était dans cette incertitude, et puis on avait Aurélien Mauny qui était là, qui était chef de partie, puis qui a demandé à passer seconde cuisine, donc qui est passé seconde cuisine, et puis on cherchait un chef, là on était de plus en plus exigeant sur la recherche du chef, on ne trouvait pas. Et puis on s'est dit, on a quand même quelqu'un qui tient la cuisine, il est jeune, je crois qu'il avait 20, 22 ou 23 ans à l'époque. Pour l'instant ça fonctionne, et si on le formait pour devenir chef? Après quelques formations en gestion et en hygiène notamment, Aurélien Mauny a pu prendre les rênes des cuisines avec son propre style. Effectivement, Aurélien Mauny était plus dans une cuisine qu'on lui imposait un petit peu comme étant gastronomique, recherchée, etc. Donc il faisait très bien. Mais depuis qu'on a trouvé cette nouvelle cuisine avec ce style bistronomique, etc., il s'y retrouve beaucoup mieux. Et comme il se retrouve beaucoup mieux, les clients s'y retrouvent aussi beaucoup mieux.